l'agence Ouagashi Prod organise la 5e édition du Trophée Kangaliputa. Trophée Kangaliputa, un événement haut en couleur qui prime l'excellence, l'entrepreneuriat et la qualité de femmes qui se démarquent au quotidien dans la province du Congo central. Une date pour un seul rendez-vous, le mercredi 8 mars 2023, autour de la piscine du Flat Hotel Lydia, à partir de 16h juste. Vous êtes femme révélation politique, femme journaliste, femme entrepreneur, femme médecin, femme juriste, femme députée, femme pasteur ou femme dynamique, voici une opportunité en or pour la reconnaissance de vos vraies valeurs. Le trophée Kangaliputa, un événement uniquement sur invitation. L'artiste, auteur, compositeur, interprète en honneur, Rossignol. Infoline plus 243 85 62 96 188. La 5e édition du trophée Kangaliputa, l'excellence prime. Événement signé Canal+. Il y a quand même l'accompagnement exact de la ville, Maître Miri. Est-ce que ça marche? Voilà. Je ne peux pas prendre parole sans pour te dire merci aux organisateurs et plus précisément à Madame Foura, parce qu'elle a pris courage d'oser et le résultat le voilà. Je me permets avant tout de préciser que mon titulaire, son excellence Patrick Yamesso, vient également de nous rejoindre. Et je le prie de s'élever pour que vous puissiez le connaître. Monsieur le bourgmestre de la commune de Matadi, voilà, levez-vous. Le voilà. L'agence Ouagashi Prod organise la 5e édition du Trophée Kangaliputa. Trophée Kangaliputa, un événement haut en couleur qui prime l'excellence, l'entrepreneuriat et la qualité de femmes qui se démarquent au quotidien dans la province du Congo central. Une date pour un seul rendez-vous, le mercredi 8 mars 2023, autour de la piscine du Flat Hotel Lydia, à partir de 16h juste. Vous êtes femme révélation politique, femme journaliste, femme entrepreneur, femme médecin, femme juriste, femme députée, femme pasteur ou femme dynamique, voici une opportunité en or pour la reconnaissance de vos vraies valeurs. Le trophée Kangaliputa, un événement uniquement sur invitation. Salut l'expertise du conseiller qui naissait la culture de la ville. Ouais. C'est très important que nous puissions circonscrire très bien le cadre. Le CD, Mita. Les CD, une rectification. Hein. Je ne suis pas le chef de division de la ville de Matadi. Je suis le chef de division et la province. Ouais. Des Kassamoulo moi là. On les reconnaît, merci beaucoup. Le président de l'Assemblée provinciale ou son représentant, honorables messieurs et mesdames des députés provinciaux, mesdames et messieurs, à votre titre et qualité respective. Chose, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir sacré, celui de rendre gloire à Dieu, maître de temps et de circonstances,
qui a voulu nous accorder gratuitement son souffle de vie, sans lequel notre présence serait impossible. Excellences, honorables, mesdames et messieurs, point n'est besoin de vous rappeler les mobiles de cette rencontre. Il s'agit de la soirée organisée par l'agence Wagashi Productions pour la remise des trophées auprès des personnalités ayant marqué chacune dans son domaine. Le thème de cette année est intitulé « Éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de femmes et de filles en République démocratique du Congo ». Il coïncide avec le proverbe français qui dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Ce qui revient à dire que la journée du 8 mars n'est pas seulement pour le divertissement, mais aussi et surtout un moment où toutes les femmes devront capitaliser pour réfléchir ensemble sur les possibilités de son développement. Dans ce contexte, nous exhortons à vous, toutes les femmes et filles, vous qui êtes nos mères, nos femmes et nos filles, de vous mobiliser comme un seul homme, c'est-à-dire une seule personne, pour que chacune de vous se mette au travail, au lieu de tourner les pouces à la longueur des journées. Pour vous les nominer, nous vous conseillerons de continuer à œuvrer plus qu'auparavant pour assurer la paix et l'autonomisation, non seulement de la femme, mais aussi de tous les Congolais en général. Nous encourageons aussi l'assistance de s'impliquer chacun dans son domaine pour que demain, vous soyez aussi nominés comme les autres, tout en suivant leur exemple. Nous ne pouvons clore notre propos sans remercier l'agence qui a pensé à notre auguste personne et à la réussite de la dite journée Kanga Liputa pour redorer l'image tant de la femme que de la fille. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la femme congolaise, que vive la province du Congo central, que vive la maison Wagashi Production. Je vous remercie. Merci à M. Aimé Tabi, les CD pour ces mots. Combien brio ici ensemble, qui s'est distingué et qui mérite en cette année ce prix-là. Voilà. Nous allons inviter ici sur ce podium Maître Dédé Lona qui va venir pour faire découvrir à l'assistance à qui sera remis ces prix. Maître Dédé Lona. Maître Dédé Lona. Sous vos applaudissements. Sous vos applaudissements. Pendant que et ici, les conseillers du GOUV. Salut l'expertise du conseiller qui naissait. Salut l'expertise du conseiller qui naissait. L'agence Wagashi Prod organise la 5e édition du Trophée Kanga Liputa. Trophée Kanga Liputa, un événement haut en couleur qui prime l'excellence, l'entrepreneuriat et la qualité de femmes qui se démarquent au quotidien dans la province du Congo central. Une date pour un seul rendez-vous, le mercredi 8 mars 2023, autour de la piscine du Flat Hotel Lydia, à partir de 16h juste. Vous êtes femme révélation politique, femme journaliste, femme entrepreneur, femme médecin, femme juriste, femme députée, femme pasteur ou femme dynamique, voici une opportunité en or pour la reconnaissance de vos vraies valeurs. Le trophée Kanga Liputa, un événement uniquement sur invitation. La femme pasteur, dédiée ce prix est dédié à madame maman pasteur, si vous voulez bien, néné. Elle est là en train d'avancer. Elle est là en train d'avancer. Eh bien, tout le monde est un peu surpris. Là, nous constatons que la province du Congo central est vraiment allée de l'avant. Bonsoir, maman Néné. Vous aurez la parole. Sous le leadership de son excellence le gouverneur de province, le docteur Guy Bandoumidi, champion de la vision du chef de l'État, nous nous rendons compte que la matérialisation de la cohésion provinciale est effective. Cette maman, vous le découvrirez certainement à travers le portrait qui sera bientôt balancé, a porté ce sac
comme on l'appelle communément, depuis 34 ans. Et l'agence Wakashi Prod a été invitée ou conviée à participer au 34e anniversaire du port de Sac. Voilà pourquoi, avec satisfaction totale, il n'y avait même pas à départager, c'est la femme évangéliste internationale et élue ou nominée femme pasteur pour cette 5e édition de la soirée Kanga Liputa. Je vous prie de l'applaudir. Voilà, maman pasteur, est-ce qu'il y a un mot à l'endroit de tous les chrétiens, en diminuant surtout, et Congo Central, oui. Yantete, netome pesa beno nyonso mbote mingi. Mbote diaka. Mbote. Netome pesa merci mingi. Na awa place vetikele. Na mambu ya ime salama na ntangu ya. Yake etrange ve. Kana mutuke na kusala kisalu. Kisalu nyonso yake vuandaka. Nandandu ngedi akasala ngolo ngesala kisalu samumbazi ngekuzabata trofeyali betume pesa merci mingi na asosaso yai ya bambani yai betume tuba ke kanga liputa setadi mama kanange kanga ndele mbote mbote ngeke baka diaka mambu ya neni Nzambi kesalaka mingi na ba mama betu fiti vuanda be exemplaire na kati ya société nyonso ina beto kele na ba inzo na beto na ba famille na beto na kati ya bisalo beto na ba quartier na ba zandu beto fiti monisa exemple ya mbote beto ba mama betu fiti vuanda na discipline ya ngolo Mpebe tofeti vwanda diaka na mambu ya mbote na kuservir mingi bainzo na beto sambeto pesa edikasyo ya mbote na bana ina betuke na kubuta. Sirutu beto zipakana ve kulongisa bao mambu ya nzambu ya ke treze importa. Yao ne vwandaka na beto. Beto mpesa dea merci na tata president de la republique pe merci na tata gouverneur pe na ba organizateur nyonso yayi ya trofe kanga liputa nzambi ya misalisa bao yaka yani pesa yaka ngolo sama sosaso yayi ya kwenda na ntwala merci beaucoup merci vraiment tobetele maboko makasi encore et encore merci beaucoup voilà alors sans plus tarder technique L'agence Wakashi Prod organise la 5e édition du Trophée Kanga Liputa. Trophée Kanga Liputa, un événement haut en couleur qui prime l'excellence, l'entrepreneuriat et la qualité de femmes qui se démarquent au quotidien dans la province du Congo central. Une date pour un seul rendez-vous, le mercredi 8 mars 2023, autour de la piscine du Flat Hotel Lydia, à partir de 16h juste. Vous êtes... 150 mamans. Vraiment, quand on a basé, mais tout le monde a passé au fond de ton yonso, c'est que vous avez un effet gomique. Qui sont le bel ou bien, il y a quoi dans la toile, quand on a besoin de ma bénir. Merci. Merci beaucoup, et nous allons passer à un autre trophée, mesdames et messieurs, distingués invités. Alors, je vais appeler rapidement comme ça mon confrère Olivier. Oui, oui. Olivier, les femmes. Se sont distingués dans plusieurs domaines. Plusieurs domaines, bien sûr. Mais cette fois-ci, on va... SGA, de la DGRKC. De la DGRK. Ah oui. DGRKC. On applaudit encore très très fort pour... Voilà, Esnabonis, Tchassa. Le très légendaire. Et en plus, c'est l'oncle... Parce que, par mon débat, il y a l'audience. Parité, égalité... Ce qui moi si à quelle classe c'est, ce qui moi si à apprendre le salade, ce qui moi si à dans l'activité c'est, parité wana, et vous allez à la Yamanoba, et vous allez à la Yamanoba, bien que ça a été ratifié. Alors,
qui botali parmi pas au bas qui canasla ma mouda la jeune fille. Donc ma maman, ma papa, il faudrait trouver un mécanisme royal et vous savez aussi capable à la longtemps à l'école. Parce que dans l'administration, pour que nous soyons à ma part, ce n'est pas parce que la dit la constitution que il ne faut pas qu'il va se présenter dans la poste à prise de décision, mais il faudrait aussi que Patiwana Badalana, bagage intellectuel. Et le bagage intellectuel, pour nous en mots, Nandela, il y a classe. Nandela, on se soutient, mais Nandela, il y a classe. Et il ne faudrait pas que l'autre va taper les mois par le bateau. Et ça, c'est parce que dans moi, si on va chercher, et puis on a posé ça à moi. Il faudrait que ça n'ait pas été autour de Bino, autour de nous, va reconnaître que Platouana et Tigabacheo ont mérité à nous. Et le seul moyen, c'est à travers l'éducation. Et donc, si demain, le limite de l'égalité, on a femme-homme, ça va pas être la prise de position, alors on a tout intérêt à bien éduquer nos filles, à les pousser, pas tant à mini, pas qu'il y ait du petit à la classe, et c'est le seul moyen qui va nous permettre que, d'avoir l'égalité homme-femme dans la porte de la prise de position. Comme à la cadre Wana, c'est une organisation Moko Babeni Wagashi, maman est à Ibio Pélé, maman est à ma petite trompée à femme. Papa, ça ne peut pas être une badali. Mais, si tôt, on a qui, maman d'aînée, comme femme acteur, la catégorie à papa acteur, comme femme acteur qui vont venir sur irrégulation. Donc, trophée, il y a maman d'aînée. Ma maman dit que maman est trop beau, ça me fait trop beau.